Je veux prendre le temps de remercier tout ce beau monde qui nous visite ce matin, particulièrement le ministre. C'est pour la première fois qu'on a l'occasion de recevoir un membre de ce niveau-là du ministère de l'Éducation nationale. Je remercie ces trois éditions et en la personne particulièrement de M. Michel Soukard qui ont pensé à nous. Parce que vraiment, c'est une lutte. C'est une lutte qu'on y a mené pour nous faire timounio avec question de téléphone, internet, ceci, cela, pour rester dans la lecture, dans le livre, accroché au livre. Parce que je dis toujours à mes enfants, je les appelle mes enfants, ils sont tous mes enfants, je leur dis toujours que rien ne sert de lire tout le temps, d'être accroché à un écran. La lecture, c'est la première chose qui va vous permettre d'aller de l'avant. Je suis content matin, je suis content pile, et je pense que tout le monde sait qui est là, tout le monde est content, professeur, enseignant, c'est où push, vous pouvez nous nous et vous pouvez renforcer la lutte que nous avons menée pour tout le monde retourner vers la lecture. Ça pour entrer là-dedans, pour entrer là-dedans, pour y avoir tout bien fait à gagner et tout bien fait à s'y appuyer la pied. Encore une fois, merci pour cette initiative et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Au nom des élèves de Vision Nouvelle, je salue le ministre de l'Éducation nationale d'Haïti ainsi que les professeurs qui sont ici présents. Nous toute la connaît l'importance qui gagne dans le livre et comment nous avons enrichi tête nous grâce à ça. Et nous voulons exprimer reconnaissance nous envers tout le monde qui a gagné l'idée pour être capable d'offrir nos livres ça. Et nous promettons nous que j'aime ça que nous mettons, que l'a grandi et que l'a devenu meilleur. Vous êtes des élèves du secondaire. Vous avez entre 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. N'oubliez jamais une chose. Quel que soit ce que l'on vous donne, qui vous permet de vous considérer comme riche matériellement, vous ne pourrez jamais le garder si vous n'avez pas d'abord garni votre cerveau. Et la meilleure façon de garnir votre cerveau, c'est de lire. Nous arrivons au monde nu, avec un cerveau vierge. Nous laisserons ce monde nu, mais avec un cerveau garni de connaissances, acquises par l'expérience, acquises par l'étude. Comme dit le proverbe, coffre fort pas suivre corbillard. Vous êtes venu nu, vous repartirez nu, mais avec ce que vous avez acquis comme connaissance. C'est la seule chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. On peut vous enlever tous les biens matériels que vous avez. On peut même vous enlever la vie, mais on ne pourra jamais vous enlever ce que vous avez acquis par l'instruction, par l'éducation. C'est ce qui va vous permettre de vous bâtir comme être humain. C'est ce qui va donc vous permettre de bâtir votre avenir. C'est pourquoi je vous dis une chose, comme je le répète souvent à des jeunes comme vous. Le livre est votre meilleur ami. Vous n'avez pas d'autres amis réellement à votre âge. Un livre fermé, c'est un ami qui attend, qui vous attend. Un livre lu est une amitié partagée. Un livre méprisé est une amitié méprisée. Et un livre abîmé est une amitié bafouée. Personne ne pourra vous enlever ce que la lecture vous apprendra. Personne. On pourra vous enlever tout ce que vous aurez possédé, des biens matériels, même des familles,
les hommes, les femmes peut-être que vous passerez dans votre vie, tout. Mais ce que vous avez là, vous l'avez définitivement. Et seul le livre peut vous le donner. En développant vos capacités de concentration et de réflexion. Concentration et réflexion sont à la base de la culture. Parce que la culture, c'est ce que nous pouvons acquérir comme goût, comme sens critique, comme jugement. Et ceci, seul le livre, seule la lecture peut le donner. Aujourd'hui, nous sommes au 18 janvier 2024. Vous êtes assis ici, sûrement certains d'entre vous se disent, ça me j'ai dit là, qui met les marques livres? Quand il y a des gens qui écrivent président, il n'y a pas de jambes de gonan. Mais il faut conclure tout, que Paris met en rien tout. Et que vous finissez en bas coup de roche, même vous finissez dans votre chaîne à la rue, vous dévorez vous. Parce que vous n'avez pas de jambes gagnées dans la tête. Vous n'avez pas de jambes de gagnées parce que vous n'avez pas de jambes qu'on vous a relé, bas de tête, vous avez un goût, vous avez un jugement, un sens critique, une vision. Et même je n'ai jamais dit à téléphone ça que nous sommes là. Que nous avons perdu un pile, nous avons fait des reportages dans WhatsApp, dans Twitter, dans Facebook, nous avons parlé de Tintin, nous avons regardé Rance dans YouTube. Même téléphone ça, il est chargé la donne de moteur de recherche qui ont fermé un paquet de bibliothèques. Nous avons l'âge nous. Le monde a besoin de faire recherche sur l'histoire pays dans des bibliothèques du monde. Il faut avoir un compte pour prendre avion, pour payer l'hôtel, pour boire, manger, dormir dans le pays, ça vous parle là. Journée aujourd'hui, il suffit que je connaisse site lit, site côté de là, faire recherche. Je me tape, je monte sous lit et je lis ça me depuis que je me lis. Mais je perds du temps. Aujourd'hui, je ne monde pas lire seulement dans le livre, je lis là tout. Donc au départ, c'est juste lire pour apprendre à faire. Apprendre à lire, apprendre à concentrer, apprendre à réfléchir. Parce que ça, bon Dieu, il n'est pas voué pour chita sous lui. Il est voué pour développer. Pas faire honte, pas faire perdre du temps, sinon on paye ça très cher. Nous supposons que nous tous qui l'avons entendu samedi, mettez-le en application. Journée jeudi, nous recevons un gros cadeau. C'est le plus gros cadeau que vous avez fait au monde, c'est le livre. L'on monde fait un cadeau livre, ça veut dire respecter comme monde. Il veut qu'on vienne au monde. Il veut qu'on vienne pour aider au monde. C'est parce qu'en pile, nous n'avons pas jamais compris ça dans le pays d'Haïti que je ne vous dis à là. Nous sommes capables de vivre dans l'état ça. Je ne vais pas comprendre. Et bien, le ça n'a pas retiré le pays nous dans le trou pour nous mettre là. Parce que pas de pays qui fait sans connaissance, sans savoir, sans réflexion. Merci en pile, mettez en application. C'est toujours avec une grande émotion que moi, toujours rencontré tout le monde. Parce que, comme Mme Ardo vient de dire, moi-même, tout, c'est presque 4 millions de monde que je gagne sous compte moi, comme responsabilité. Et il est extrêmement important, dans un contexte, dans une conjoncture très difficile, que nos enfants gardent le contact avec la lecture. Le ministère a été réalisé une évaluation nationale, ça va bien longtemps, dans la sixième année. Et nous réalisons que grand pile d'efforts qu'on fait pour que les élèves comprennent, interprètent, réfléchissent sur le livre que j'ai lu. Dans l'évaluation sixième année, le test qui était fait a montré que moitié élèves dans le pays, c'est à peine maîtrisé dans un texte qui est en créole, moitié ça qui est écrit. Dans ce qui concerne la compréhension en français, eh bien, ça pue mal. Parce que c'est 11% élèves seulement qui arrivent à comprendre un test. Nos livres, nos textes que vous proposez dans la langue française, et sont pas capables de maîtriser, comprendre, analyser, voir produire dans ce qui concerne quitte les créoles, quitte les français,
et bien on ne comprend rien, ni dans mathématiques, ni dans physique, ni dans chimie, ni dans sciences sociales. Le rapport au livre est extrêmement important pour une jeunesse, parce que quitte ces manuels scolaires, quitte ces littératures enfance, littérature jeunesse, c'est un voyage. Ça permet que nous-mêmes, comme élèves, nous comprenons plus bien la réalité et nous, plus vite, allons chercher une compréhension de ce qui était passé avant, de ce qui a vécu dans le moment que nous vivons là, qui est grand passé, et qui sont des penseurs, des chercheurs dans toutes disciplines, philosophie, sociologie, l'histoire. Et c'est comme ça que nous sommes capables d'arriver plus vite. Réussi par cours scolaire. Matin, ministère de l'Éducation nationale avec ces trois éditions, avec l'ampile l'autre maison d'édition qui a participé dans le projet SAA 80-20, décidé que tout côté ça possible dans l'année lecture, en fonction des ressources qui sont disponibles, eh bien pour nous faire effort, pour sous chaque 100 livres que nous avons mis dans la bibliothèque, là, 80, c'est effort l'État central là, à travers financement public. Mais 20%, faut me dire, c'est participation volontaire, citoyenne, maison d'édition. Et je dis, en plus de ces trois éditions, nous avons l'autre partenaire qui va dans l'autre école publique. Et tout à l'heure, nous allons le retrouver avec l'édition Deschamps. Nous allons dans l'école nationale République Guatemala pour que nous fassions la même activité. L'école publique, l'école privée, parce que pas qu'un petit monde public, pas qu'un petit monde privé, c'est haïtien qui l'a. Qui donc moi compter sur leadership qu'il a déjà direction pour que c'est pas déposé ou déposé livre et avec appui et support maison d'édition autour pour que le livre capable vivre avec différents types d'ateliers discussions que n'a fait et production pas nous pas le fait tout création que nous pas le fait tout dans ce sens. Donc merci ministère bien content que partenariat ça fait et me penser c'est pas dernière fois que l'autorité dans le ministère vient visiter Vision Nouvelle. Merci pour le travail que l'on a fait. Bravo. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Lesmi Maniga, en ce jour de lancement de la campagne de communication autour des mini-bibliothèques, nous tenons à vous remercier de cette initiative aussi significative que vous effectuez au sein des écoles en Haïti. Au nom de l'École nationale République du Guatemala, nous vous sommes très reconnaissants. Il est rare de rencontrer des personnes aussi dévouées comme vous. Vos efforts ne passent pas inaperçus. Doter les écoles nationales d'une mini-bibliothèque pour chaque classe, c'est un avantage barbe et moustache pour la réussite scolaire des élèves. Car la lecture permet en quelque sorte de se divertir, développer la mémoire et les capacités cognitives, améliorer la concentration et l'attention, améliorer notre expression orale et écrite. La lecture peut grandement contribuer au développement personnel dans le sens où elle aura un impact sur l'esprit. C'est aussi un des meilleurs investissements, quel que soit l'âge. Encore une fois, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, merci et mille remerciements. Bon, moi, j'aimerais remercier le ministère là, avec l'école là, pour recevoir nous ici aujourd'hui et dans nos opportunités partager avec nous le projet sur lequel nous travaillons depuis quelque temps que nous finalement fouille aujourd'hui dans l'école nationale, il y a une école qui utilise déjà. Là, c'est des valises comme nous avons, que nous relais mini bibliothèque. Avantage de ces valises, c'est que yo ka déplacer. Donc au lieu que ti moun yo déplacer une fois par semaine yal dans bibliothèque la prend un livre, ti moun yo la gen accès à livre sa yo dans classe yo chaque jour. Et nous n'ap suivre projet ministère là 15 minutes de lecture par jour. Donc les ti moun yo rentre en classe, yo prend livre yo, yo chita et yo lit en silence. Yo ka feuilleter livre là au début, yo ka lire. Yo ka li un livre pendant une semaine ou yo ka pran un livre chaque jour. Chaque valise son niveau différent et je nous ka wè nous évaluer niveau lecture donc livre yo contrôler vocabulaire yo contrôler et chaque niveau yo basé sous demande ministère là. Nous comptons embarquer avec ministre là
pour bay ti moun yo dans l'école publique tant que dans l'école privée accès à livre et pour yo wè livre comme un cadeau, un voyage, un plaisir et non une punition. Parce que ti moun yo gen tendance là dit ou puni à pon livre. Et c'est pas ça nous voulons. Nous voulons que livre là pote une image positive, que la ti moun nan wè livre là, li content et li pa wè comme pour si son travail supplémentaire que professeur a pas le bay. En tant qu'auteur, moi-même seul conseil, moi je préféré aller vers des conseils que je suis capable de faire jeune actuellement, c'est essayer de recentrer et activité qui a un rapport avec l'ivio météo dans le quotidien. Nous connaissons que nous vivons dans une époque côté télévision, internet, tout le bagage qui a accaparé nous. Mais pas oublier que tout le monde qui a écrit des choses sur Internet, okay? C'est écrit ou écrit avant de dire. Je parle de monde qui a fait des choses sérieux parce qu'il y a toute qualité des choses sur Internet. Donc ça veut dire que l'on a formé tête nous, l'on a lu, c'est ça qui va permettre nous demain de venir un modèle dans la société. Donc moi-même, l'homme de l'école, je me suis lu en pile. Et c'est ça qui permet que jodi a me capable écrire des livres pour nous. Et avantage que nous même nous gagnons kounye que moi même peut-être n'entend pas moi pas gagner c'est que à mon époque nous ne lisions que des livres étrangers. Ça pas veut dire que on ti moun doit lire livres haïtiens seulement même parce que leurs sont haïtiens de temps en temps ou t'a aimé lire ti livres qui parlaient de environnement tout. Et mais grâce à Dieu Kounyen, avec le travail que nous avons fait au niveau de l'édition haïtienne depuis des années, Kounyen, nous avons un panoplie de livres qui parlent de l'environnement haïtien. Côté de nous sommes capables de retrouver, côté de capable identifier un personnage. Donc ça, c'est vraiment une grosse opportunité que le ministère a offert nous pour nous découvrir livres qui non seulement adapté à niveau nous, mais qui adapte tout à la réalité nous. Donc j'espère qu'au niveau des écoles, que vous allez vraiment bien en profiter, que nous pas apprendre à faire de livio yon zami. Ça veut dire que 15 minutes de lecture, ça, Jean-Madame Sekerso dit là, c'est pas 15 minutes côté n'a vin font travail et puis qu'on nous fin faire, nous pas dire nous faire résumé, faire ceci, faire ce. Non, ce sont des livres de lecture loisirs. Même gens nous te cachita nous croiser pieds nous gardons film et ben c'est même gens nous prend plaisir pour nous lire ça. Donc une fois de plus, merci au ministre de l'Éducation nationale qui nous offre cette opportunité et j'espère que vous allez la saisir. Merci. Ministère très content. Non année que le déclarer année nationale lecture cause nationale que nous démarrer bonheur en janvier. Jodi, c'est la deuxième bibliothèque que nous installons ou que nous renforçons dans l'école privée et là dans l'école publique. Et moi, féliciter Maison Henri Deschamps pour pas seulement le fait que participer dans le projet ça, mais l'innovation, l'idée, l'énergie le mettait. Et moi content tout et qualité professionnelle que vous mobilisez pour le projet ça. Donc félicitations. Merci. Ministère a expliqué plusieurs fois pour qui ça année ça son année de décréter lecture dans tout le pays. Moi me redis parce que c'est important pour le pays à comprendre que si yon ti moun yon élève pas qu'on lit. Eh bien, il n'a pas qu'à apprendre. S'il n'a pas compris nos textes, s'il n'a pas qu'à réfléchir sur le texte, ce n'est pas seulement lire ABCD, ce n'est pas seulement décoder, mais c'est comprendre ça la pire. Mettre le contexte, li. Explorer, voyager à travers le livre, que ce soit livre pour apprendre aux matières, ou bien livre loisir. Tout livre, toute littérature en particulier, et bien si vous êtes bloqué, il n'y a pas de comprendre mathématiques, il n'y a pas de comprendre sciences sociales, il n'y a pas de comprendre rien, et si vous avez échoué.
Donc, livre, lecture, c'est premier compétence pour un élève maîtrisé. L'un des faits, année passée, et année ça nous publier résultat, évaluation nationale en lecture, si mon sixième année, l'un nous fait bah, un texte, moyenne nationale, là, c'est moitié élève qui comprend moitié un texte que vous avez en créole. Et c'est 11% élèves qui comprennent moitié un texte que vous avez en français. Et comme un citoyen haïtien supposé, parce que la vive dans la région Amérique latine Caraïbe, parle créole, parle deuxième langue officielle, là, il comprend et écrit tout qui c'est français, et maîtrise au moins une dans l'autre langue régionale. Bonheur, puis bonheur, eh bien, il faut apprendre à lire pour nous comprendre ça n'applique, pour nous apprendre plus bien toute l'autre langue, que c'est la deuxième langue officielle pays, que c'est la langue internationale. Expérience ça que le ministère a fait, pas qu'à faire sans partenaire ça, l'important, parce que ce n'est pas un livre que nous venons déposer, c'est yon accompagnement nous vinn bay directeur directrice responsable pédagogique personnel enseignant et tout le monde qui dans l'école là qui est capable Jean Sasso dit tout à l'heure que livre là son outil capital pas seulement livre pour apprendre matière qui comptait pour passer dans classe en l'autre mais livre qui permet tout vinn citoyen ou découvrir ou voyager même l'Ochita Kotoye. Ça fait un pile plaisir. Nous suivons pile trois lecteurs. Nous sentons que ce n'est pas seulement décoder ou taper décoder, ou on prend plaisir dans ce qu'on et on comprend ce qu'on a. C'est très important. C'est un pile mon appli ou pas comprendre ce qu'on a. Quelle différence qui a entre un monde qui connaît avec un monde qui parle? Qui moun ki ka di m sa? Ti moun. Ki différence ki entre un moun ki kon li avec un moun ki pa li? Bon. Nous met kon li si nous pa li. Même là nous kon li si nous pa li, c'est avec un moun ki pa kon li. Pas aucune différence entre un moun ki kon li ki pa li. Avec un monde qui pas qu'on lit, c'est même bagaille. Ça veut dire ça au qui là, bel livre ça yo, nous déjà connais, nous déjà parlé avec directrice là, nous connais partenaire maison qui des champs pas blaguer de temps en temps la voyer que ce soit en hauteur, que ce soit un monde qui ca accompagner nos projets lecture, pas son petit temps venir visiter nous tout, c'est ça partenariat hier. Eh bien, me suis que livre yo pas prêté comme ça là. Sans personne pas ouvrir. Gen des fois ministère qu'on fait l'école cadeau, bibliothèque, laboratoire informatique. L'un tourne à le visiter un mois, un an plus tard, bagaille yo rete neuf. Personne pas manger yo. Directeur dit qu'il dit pas les ministres tourner, puis on dit livio pas là, livio déchiré, livio c'est pour nous vers eux-mêmes. C'est pour ça livio là. Bon, moi, je promets m'a tourner, directrice m'a tourner, n'a fait un petit atelier, n'a pas chita avec l'équipe là. Le ça, nous pas nous marcher pressé, n'a fait tout petit monde li et n'a fait interpréter ça au lien pour nous comprendre très bien. Merci et puis bon année lecture.